Mais je vois qu'il y a de l'ambiance ce soir. Bah, tout à fait, oui. Ils sont infernales. On a beaucoup de mal à tenir les animaux ce soir. La preuve, on a perdu Stéphane en cours de route. C'est exactement, c'est-à-dire qu'on a commencé l'émission du soir tardif en ce beau lundi ensoleillé, hein. J'espère qu'il fait beau. Et on a perdu Stéphane qui n'est plus avec nous. Bon, quand il viendra, il reviendra. On va passer au casting radio. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire par le casting radio? Non. Un jour Stéphane viendra. Si tu passes par la porte, par les murs. Ouais, bon, on va arrêter là, je pense. Sinon, c'est qui, Stéphane? Stéphane. Coloscopie. J'ai une photo à faire. Dans l'autre sens. Il est venu faire la photo, l'enfoiré, il s'est barré. Bah, je m'en fous, je la modifierai pas. Rien à branler, on va laisser Casper. On va lui mettre Casper, il est beau. Casper. Il est bien mieux en Casper. Alors, casting radio, mes gens. Il y a 15 jours de ça, vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de la radio. Non, on n'a pas eu le choix. Ouais. Vous avez donc passé un casting. Non, on a signé des parties. Voilà, vous avez signé des conventions. Faut vraiment parler du casting ou... Ouais. Alors, est-ce qu'on passe le recrutement au bon et du fond ou... Alors, les auditions à l'aveugle se sont passées pas très à l'aveugle. On a fait une The Voice, mais à l'envers. On a retourné des gens. Voilà, au lieu de te retourner au niveau de ton siège, tu les as retournés. Enfin, bref, tu les as... Oui. T'es retourné. En tout cas, donc, si tu t'es retourné, c'est que tu les as acceptés dans ton équipe. Oui. Du coup, et donc, on va dire que vous avez décidé de faire de la radio. Est-ce que vous savez faire de la radio? Non. Ça se voit. Depuis non, alors, par respect, je vous ai laissé répondre, mais j'avais la réponse. Hein. Non, mais je te rassure, je ne sais pas forcément faire non plus de la radio. Non, on l'avait bien remarqué aussi. Ouais. Ah, la connasse. Sébastien, faut que tu changes de meuf. Et donc... J'en ai pas. On va. Moi non plus. Deux meufs. Deux meufs, ouais. On va jouer au jeu de l'intro. Si, j'ai une meuf. Qui? Laura. Laura. Elle est à côté de moi. Touffage de Minou. Ouais, bah c'est le meilleur en fait. La touffe de Wadi. Je vais manger la touffe de Wadi. Quand les mecs savent pas assurer. Tu vises quelqu'un? Valeur sûre, c'est une fille. Non, c'est ce que c'est, un clitoris au moins. Ouais, on trouve le projet. Ouais. Mais on sait faire plaisir. Expliquez donc moi, s'il vous plaît, maintenant, oui. Pourquoi vous êtes toujours en recherche de King dans ce cas-là? Bah parce qu'on essaye de trouver un gars qui peut trouver le point fatidique. Mister G. Ouais, mais vous trouverez jamais. C'est demain, Mister G. Vous trouverez jamais en fait. Ah bah moi j'ai arrêté de chercher, hein. Non mais toi t'as déjà cherché au moins dans ta vie. Non. Moi j'éjacule. Toi tu te maries. Non, justement. Il est parti disparu. À partir du moment où j'éjacule, après je n'ai plus rien à foutre, hein, c'est des merdes, hein. Voilà, bah c'est l'enculé. Tout commun à tout mec. Voilà, l'enculé dans toute sa splendeur. Merci, voilà. Bonsoir, je m'appelle Axel. Merci d'être avec moi. Alors. C'est le soir tard. Allô. Soir tard. C'est parti. Bon, du coup, on en est où? J'ai. Parce que là, il est quand même. Ah, il est 19h. Franck, au moins. 19h10. L'intro radio. Vous avez déjà écouté la radio? Fun Radio, Energy. Ouais, Nostalgie pour les plus vieux. Des fois, ouais. Skyrock. Skyrock pour les plus urbains. Rap R&B, voilà. Et ben, les animateurs radio ont pour habitude d'essayer de parler sur ce qu'on appelle une intro. Donc là, par exemple, on va faire un premier test. Vous allez avoir 8 secondes pour présenter qui vous êtes. Vous allez avoir 8 secondes toujours pour dire qui vous êtes, ce que vous animez comme émission, sur quelle radio vous êtes. Vous n'êtes pas sur Skyrock, vous êtes sur TSO Radio. C'est de la merde. Et l'horoscu sur TSO. Et du coup, le titre que vous lancez. J'ai pris un bonbon au piment. L'intro, ça va être ça. Je vais vous faire écouter quand même. Hein. Fais-nous un modèle, ouais, parce que j'ai pas... Quoi ça? C'est Imagine Dragon. D'accord? Il y a juste ça à savoir. Ah, c'est court, hein. Voilà, 8 secondes. Donc le titre, c'est Believer, au cas où. Et tu nous fais un exemple? Oh, je peux essayer si tu veux, oui. Bah, tu vas pas essayer, tu vas nous faire. Ouais. Bah oui, tu vas te mouiller un petit peu quand même. Alors, je vais essayer. On va pas... Donc je vous fais 8 secondes. Ouais, parce que le pire, c'est que j'ai pas de chrono. Ce sera le meilleur temps que t'auras tenu. Il nous fait 8 secondes. Il va en du rêve encore. Mais bon, laissez ma bite tranquille, bordel, ta merde! Tranquille, la sorte, c'est fini! Et Nivek, il l'a tient apparemment! Nivek est en train de se dire, mais putain! Le POC, mais dans quel truc, monsieur Barker? Allez, c'est parti, j'essaye! Non, j'essaye pas, non! J'ai pas lancé le chrono! Et t'as pas de bol, c'est que je suis en face de toi, en fait, je vais te. Oh, je t'en regarde pas! Je vais te miner!
Minette. J'avais envie de le faire. Tu peux, tu peux, y a pas de problème. Allez, c'est parti, mon kiki. Bienvenue, vous êtes sur Test Radio, je m'appelle Axel, on passe l'après-midi ensemble. Nous sommes bien pour passer l'après-midi avec de la bonne musique et Imagine Dragons. Tout juste, hein. Mais t'as balancé la chanson, déjà c'est de la merde. Comment ça? Ah, faut qu'on balance la chanson. Alors, c'est le principe de l'introduction, c'est que il faut... Bah t'as jamais écouté la radio ou quoi? Non. C'est vrai que Skyrock... B2O, B2O. Tu verras demain, je ferai beaucoup de pop 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 avec Raptor. Pop. Ou tout à l'heure avec Weshfer. Mais c'est pas possible. 8 secondes. Allez Sébastien, est-ce que tu te sens prêt? Non. Est-ce qu'il y a un chrono de l'autre côté de la table? Chronomètre. Merci beaucoup. Bon après t'as 8 secondes quoi. Mais il faut qu'on ait un chrono. Il y a le temps de l'intro. Attends, tu cherches le chrono quand même. Allez, on cherche le chrono. C'est bon. Alors, est-ce que tu peux le donner à ton ami Sébastien? J'ai pas compris ce qu'il fallait un chrono. Mon ami. Bah, en fait, c'est... Ah non, je peux pas lui donner mon téléphone. Tu présentes la chanson qui va passer. Mettez-vous dans le trip. Vous êtes animateur radio, vous présentez la musique l'après-midi. Ouais. Et on introduit Imagine Dragons. Et alors, vous annoncez qui vous êtes, l'émission. Bien sûr, Sébastien. Les garçons avant. Voilà. Pour une fois, les garçons avant. Ok. Comment? Et les filles, on prend. Non, mais je te dis des idées que tu peux. T'es pas obligé de dire l'émission. De toute façon, j'ai pas. Tu me dis quand t'es prêt. Bah il a déjà pas le chrono dans ses mains. Et bah tu me dis quand t'es prêt. Oh, j'ai autre chose dans les mains. Oh putain. Ah mon dieu. Attends, je vais prendre le bien. Là voilà, il a déjà bloqué le truc. T'as pas le code de téléphone de madame? Si, je crois que je le sais. Non mais il vient de voir un message de mon ex. Ah oh, mais pose attention. Ah, c'est oh merde. Dépité. Je sens que là, l'ambiance. Ah ambiance que ambiance ce soir. Il se gratte le téton. Bah je me gratte où je veux merde. Mais laissez-moi les deux gratte. Moi, tu vas ou quoi? T'as du mal comme d'habitude. Il nous reste 3 minutes. Allez, est-ce que t'es prêt? C'est bon. C'est parti. Salut à tous, c'est Seb, vous êtes bien sur Tesso Radio, le 16-20. J'espère que vous passez une très belle après-midi avec nous de Tesso Radio. Et pour continuer, c'est Seb. Ah, bien. Raté. Et 8 secondes, c'est pas pour rien. Et le 16-20? Ah, le 16h20h. Ah, ouais, t'es pas sur le même créneau. On est pas sur le 19-21 en fait. Le chrono, non, t'as un chrono. Bah, toi, Nivek, il va le faire, il a un chrono devant les yeux. Est-ce que t'es prêt, Nivek? Ah, Nivek, tu peux même regarder la caméra. Salut tout le monde, bonsoir. Dis bonjour à la caméra, Nivek. Eh ben, allez, le mec il s'est mis la pression tout seul parce qu'il se met la cam sur lui. Bah, et... je vais essayer. Allez, bah, c'est quand tu veux, tu me dis quand t'es prêt. Je sais plus qu'est-ce que je dois faire. Merde. Le stress. T'as 8 secondes pour parler et en terminant le mieux par c'est Imagine Dragon. Dragon. Yes. Yeah, but believe, est-ce que tu es prêt? Are you ready? Bah oui. Are you ready for the show? Il me dit quand c'est bon. Bonsoir, vous êtes sur Flotard Show, sur Tesso Radio, je suis Kevin et vous écoutez Imagine Dragon. Ouais, ah, pas mal. Allez, on dirait que ça passe, mais il manquait une petite syllabe. Hein. Ou deux. Hein. Mais au moins, il a pas bouffé le monsieur. Parce que moi, je l'ai un peu bouffé, Sébastien, il l'a digéré. À toi, est-ce que t'as un chrono devant toi? J'ai un chrono devant moi. Lui, il va être chaud de night. Tu me mettras un chrono? Allez, et je veux une petite voix de vendeur de fromage. Ah, moi, c'est le double, hein. C'est parti, hein. C'est parti. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. T'es parti. Je suis chaud. Et salut à tous, on est sur TSO Radio, bienvenue à tous, c'est Vince. Et on s'écoute tout de suite Imagine Dragon. Bonne écoute à tous et à tous. Bon bah... Bon, c'est con, ça partait bien, ça. Ça fait 10 minutes, ça. Ça fait 2 heures que tu es pas, mais c'est bon. Laura? C'est parti. Alors, attends, tu me dis... Attends, je te mette le chrono. Mets-moi ce que tu veux. Bah, dis-moi quand je te le mets. Et tu me dis quand tu es prêt. Are you ready for the show? C'est bon. Vas-y. Voilà. Merci, Axel. Ah, pardon. Tu me dis, alors, tu dis, vas-y, redis. Oh, non, mais attends. Il fait chier, lui. C'est quand vous voulez, hein. Il fout ma gueule. Quand vous voulez. Tic, tic, tac. Bonsoir à tous, ici Laura sur TSO Radio. Nous sommes dans le soir tard show, 19h-21h. Et maintenant on écoute Imagine Dragons. Oh là là, 8 secondes 25. Ah bien. Allez, maintenant la meilleure, celle qu'on entend le plus. Oh, celle qu'on entend rien du tout. La poissonnière de TSO Radio, voici Hélène. Tu me dis quand t'es chaude. Prête, plutôt prête. Parce que chaude, me le dis pas, je le sais. Attends. Oh merde. Vas-y, balance le son, papa. C'est parti, papa. Bonsoir à tous, ce soir sur TSO Radio, 19h-21h. On vous balance le son, on va vous mettre l'ambiance TSO Radio.
Imagine Dragon. T'aurais pas respiré, c'était nickel. Ouais, c'est un asthmatique en fait. Ah ouais, c'était pas précisé sur ton CV. Hein. Je pensais pas qu'en pleine levrette. Mes poumons n'étaient pas non plus si développés que ça, de base. Ah, les poumons, denrées rares en temps de Covid. Voilà. Et bah, voilà. Bah, je pense que les filles, on s'en est mieux sorti que les mecs. Bah, la team fille, hein. on est toujours la team fille en fait. Je pense qu'on est bien. La team fille est bien. Comment tu t'appelais la semaine dernière Mathilde ou Sabrina, je ne sais plus. Dans le genre. En tout cas, voilà. Mais je pense qu'on a gagné. D'ailleurs, quand ils chantent pas, c'est qu'on a gagné. C'est que c'était de la merde et nous c'était bien. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-l'Oise et au-delà.